Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CrossMaga. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur ce jeu et ça fait un petit moment aussi que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Voilà, donc il y a deux jours normalement, il y a une petite vidéo sur One Piece Treasure Cruise qui est sortie sur la chaîne. Mais sinon ça faisait bien 2-3 semaines qu'il n'y avait plus de vidéos. Et je me suis dit qu'on allait tout simplement en parler un petit peu de la chaîne, etc. Et pour ce faire, bah, on va jouer à CrossMaga. Et en même temps, bah, on va parler un petit peu de la chaîne. Parce que j'avais envie de refaire des vidéos sur le jeu. Mais le problème, c'est que bah, CrossMaga, c'est un jeu très lent. C'est des games, voilà. C'est des games de cartes assez. C'est un jeu assez posé, etc. Assez chill. Qui se fait principalement, qui se fait normalement en live. Enfin, moi je pense que CrossMaga c'est un jeu qu'on devrait plutôt jouer en live. Le truc c'est que je ne fais pas de live, voilà. Mais des vidéos sur le jeu c'est pas ouf parce que le jeu est long. Enfin, le jeu est lent, tout simplement. Voilà. Après cette longue introduction, j'ai lancé une petite game, voilà. Et en fait, on va tout simplement faire une game et on va en même temps parler un petit peu de la chaîne tranquillement. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ce sera pas la dernière fois qu'on va faire ça, je pense. Donc, voilà, j'avais dit dans la dernière vidéo sur CrossMaga que j'allais plus faire de vidéos sur CrossMaga parce que bon, c'était pas terrible en termes de. Enfin, moi j'aime beaucoup le jeu, hein. Clairement j'adore le jeu, mais en faire des vidéos dessus, c'est un peu compliqué pour moi parce que bah, je sais pas trop quoi dire pendant la game, quoi. Vu que bon, je vais pas dire bon bah là je pose une carte, bon bah là il attaque, machin. Enfin, vous comprenez quoi. À commenter, c'est pas un jeu très facile à commenter. Mais bon, du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va utiliser CrossMaga comme support et on va parler de différents sujets par-dessus. Donc moi je voudrais revenir un petit peu sur la chaîne. Je voudrais revenir sur la chaîne, notamment par rapport à. Alors attendez. Juste un truc. Ok. Je suis propriétaire. Du coup là je comprends pas en fait. Voilà, on va faire ça. Ok, bref, du coup, je disais. Donc là, du coup, on va parler un petit peu de la chaîne, notamment Alors, j'ai pas lancé de chrono, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Il faudrait peut-être que je lance un chrono. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Bon, bah, voilà. Je viens de lancer un chrono. On va dire qu'on a déjà fait 2 minutes ou 3 de vidéo. Bref. Donc du coup je me suis dit on va faire une petite vidéo sur CrossMaga, on va revenir un petit peu sur la chaîne et on va parler un petit peu de la chaîne. Alors vous savez, j'ai fait une grosse pause de 2-3 semaines. Pourquoi? Bah, la réponse est très simple, c'est parce que je n'ai plus le temps de faire des vidéos et c'est un peu relou, surtout que j'avais prévu des choses. Voilà, vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais en tout cas maintenant, vous le savez, je travaille beaucoup sur mes vidéos quand c'est des vidéos bien montées, etc. Alors évidemment, quand c'est un épisode de Mario Galaxy, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de montage à faire, hein, clairement. Faut juste que je mette mon son, enfin mon audio sur le gameplay, etc. Voilà, ça me prend, allez, maximum 10 minutes de montage, une vidéo de Mario Galaxy, donc ça, c'est clairement pas le problème. D'ailleurs, Mario Galaxy, on va y revenir. Mais là, je suis en train de perdre, c'est énorme ce qui se passe. Ah, mais par contre, là, vraiment. Ah, ouais, c'est terrible. Bref. On va refaire une game après. Là on est mal parti. Mais voilà, donc tout ça pour dire que y a une grosse pause sur la chaîne. Et je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup de vidéos en ce moment. J'ai prévu des vidéos. Normalement, il y en a une qui devrait sortir dans pas longtemps,
qui est plutôt sympa, etc. Voilà, c'est pas une vidéo de ouf, mais c'est une petite vidéo sympa qui m'a pris pas mal de temps de montage, etc. Ensuite, il y a une autre vidéo aussi qui va sortir dans, j'espère, allez, on va dire janvier. Je sais pas, j'espère. Faut que je fasse le montage, etc. Ça va me prendre beaucoup de temps. Hélas, cette vidéo-là, c'est quand même une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Et ça va me prendre beaucoup de temps de montage. Et ça va être une vidéo plutôt stylée. Voilà. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, il y a aussi un AMV que je prépare. Là, je récupère un petit peu des clips par-ci par-là, de moments un petit peu sympas, etc. D'animés qui peuvent être intéressants. Il faut juste que je prenne une musique et que je fasse un peu le montage, etc. Il y a aussi une série que j'ai commencé à tourner. J'ai déjà tourné 3 épisodes. C'est une série en multi, enfin que je fais avec des gens, etc. Qui est plutôt cool aussi, qui va demander énormément de temps de montage et qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Et il y a encore une autre série que je suis en train de préparer. J'ai déjà l'idée des 3 premiers épisodes pour l'instant. Et ça, pareil, c'est une série qui va me demander beaucoup, beaucoup de temps de montage. Mais une fois que les épisodes seront sortis, je pense que ça peut être très, très cool. Je pense vraiment que ça peut être vraiment très, très cool. En tout cas, j'ai très hâte de la sortir parce que, moi, je... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup la série, même si c'est moi qui l'a fait. C'est bizarre, mais en tout cas, c'est une série qui me tient à cœur. Oui. J'abuse un peu sur les mots, mais vous m'avez compris. Et ça, pareil, c'est une série que je prépare depuis très longtemps. Donc, ça concerne des mangas et des animés pour faire vague, même si c'est pas vraiment ça. Enfin, si, c'est ça, mais vous m'avez compris. En fait, c'est des vidéos vraiment recherchées, etc. Il y a quelque chose. Enfin, c'est des vidéos bien préparées, bien montées et tout, que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, le montage est en pause puisque je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps? Parce que je travaille beaucoup. Notamment, en gros, je suis dans une école de graphisme. Et dans mon école de graphisme, on a pas mal de choses à faire. Et en plus de ça, en plus des devoirs qu'on a à faire, déjà on a beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, c'est loin de chez moi. J'ai 1 heure et demie de trajet à peu près, entre 1 heure et demie et 2 heures. Donc je peux vous dire que quand je finis à 17h30, voilà. Pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que je rentre chez moi assez tard. Donc, c'est problématique, hein, puisque j'ai pas du tout le temps. Donc, c'est terrible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas du tout arrêter ma chaîne, ça c'est clair. Ça c'est clair, hein, très clairement. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si j'ai pas beaucoup de vues, je vais clairement pas arrêter ma chaîne, ça c'est. Je pense que ça va rester toute ma vie en vrai. Enfin, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, ça se trouve, dans 1 an, YouTube va fermer. Mais vous m'avez compris, quoi. Si tout se passe bien, etc., je pense que ma chaîne YouTube survivra très longtemps. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'aime bien faire des vidéos. J'aime bien faire du montage. Mais si en ce moment j'en fais de moins en moins, c'est parce que je n'ai pas le temps. Donc, tout simplement, tout simplement. Alors, pendant les vacances de Noël, j'aurai un peu plus de temps, clairement, donc je vais en profiter. Pendant le mois de janvier aussi, j'aurai un peu plus de temps, puisque je ne vais plus travailler à mon école, mais je vais travailler au travail, quoi. Enfin, je vais travailler en entreprise, donc du coup, j'aurai pas de devoirs forcément. Mais bon, du coup... Et puis en plus de ça, l'entreprise dans laquelle je vais travailler est beaucoup plus proche de chez moi, donc au niveau du trajet, etc., ça va être beaucoup mieux. Donc tout ça pour dire que en décembre et en janvier, j'aurai beaucoup plus de temps pour YouTube. Donc
je vais en profiter pour faire le montage des deux vidéos que j'ai envie de sortir dans pas longtemps, faire le montage de la série que j'ai tournée, la fameuse série en multi dont je vous ai parlé, faire aussi le montage de l'autre série que je prépare et qui est, enfin que j'ai vraiment hâte de la faire sortir. Donc là pour le coup c'est une série solo, hein, voilà, c'est pas sur un jeu ou quoi, c'est juste des sujets, etc. C'est des vidéos vraiment bien montées, bien écrites, même si elles ne seront pas vraiment écrites. Mais voilà, bien préparées et tout. Donc il y a des choses plutôt cool qui vont arriver. Et puis à côté de ça aussi, il y aura des vidéos sur. On va relancer une game. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais voilà. Mais à côté de ça aussi, il y aura des vidéos sur One Piece Treasure Cruise, Dokkan Battle. Voilà, ce sont deux jeux auxquels je joue beaucoup moins en ce moment, mais je vais essayer de m'y remettre. Je dis ça à chaque fois, mais voilà. Et en plus de ça, il y aura aussi la suite de mon Let's Play sur Mario Galaxy. Donc Mario Galaxy, clairement, ça fait pas de vue. Hein, on va pas parler chinois, ça fait pas de vue. Mais j'aime bien le jeu, j'aime bien faire des let's play, donc voilà, enfin, je veux dire, ça va pas changer à ce niveau-là. Après, je vais faire beaucoup moins de let's play qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, je faisais 3 let's play en même temps, c'était beaucoup trop, quoi. Là, maintenant, je vais arrêter de faire ça. Je vais faire un let's play. Dès que le let's play sera terminé, je vais en faire un autre, etc. Je vais pas faire plusieurs let's play en même temps parce que là c'est déjà de 1 c'est impossible parce que là j'ai clairement pas le temps et de 2 j'ai pas vraiment envie quoi. Après je trouve que c'est un peu trop surchargé. Donc pour résumer et aussi avant de passer à autre chose, juste pour aussi les vidéos que tu préfères, hein, les fameuses vidéos que tu préfères qui marchent plutôt bien sur la chaîne. Même si la dernière vidéo que tu préfères a pas marché. Enfin, elle a pas marché, elle a fait une centaine de vues. Ce qui est quand même pas mal hein, pour ma chaîne. Mais par rapport aux autres vidéos que tu préfères, ça a pas marché. Surtout par rapport à la première vidéo que tu préfères que j'ai faite. Qui est sortie il y a 11 mois, je crois. Ça fait quand même un petit moment. Ou peut-être 10 mois ou un truc comme ça. Enfin bref. Un petit peu moins d'un an, qui était sortie, donc elle avait fait 10 000 vues. Enfin, elle a fait 10 000 vues, donc c'est assez énorme hein, quand même. Je pense c'est quand même un truc de fou, surtout que j'ai 200 abonnés. Faire une vidéo qui a 10 000 vues, c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Est-ce que je vais refaire des vidéos que tu préfères? Franchement, je pense pas. Je vais forcément faire une vidéo que tu préfères à un moment ou à un autre sur la chaîne. Il y aura forcément une vidéo que tu préfères, hein, franchement. Mais là, maintenant, tout de suite, je sais pas du tout. Enfin, je vois pas pourquoi j'en ferai une en fait. Parce que là, il n'y a pas vraiment de. Alors, les personnages d'animé, on en a déjà fait plein. Les mangas, on en a déjà fait. Enfin, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Faut voir. Faut voir. Là, pour le moment, non. Je prévois de faire une vidéo que tu préfères spécialement sur les personnages de Dragon Ball. Parce que c'est vrai que on a jamais parlé de Dragon Ball sur la chaîne. Parce que je fais toujours des vidéos que tu préfères avec Mathéo. Et Mathéo n'a pas vu Dragon Ball. Enfin, il n'a pas vu l'anime, il n'a pas lu Dragon Ball, donc on ne pouvait pas mettre des personnages de Dragon Ball dans les vidéos. Du coup, j'ai prévu de faire une vidéo que tu préfères avec que des personnages de Dragon Ball, et aussi j'ai prévu de faire une autre vidéo que tu préfères avec que des personnages soit de My Hero, soit de Demon Slayer, je ne sais pas encore, avec Raphaël, que vous avez vu, notamment dans ma vidéo Egg Wars, sur Minecraft, donc c'était il y a longtemps, et aussi ma vidéo Fallen Kingdoms. Mais voilà, Raphaël, c'est un ami, c'est l'un de mes meilleurs, c'est l'un de mes meilleurs potes, et pourtant il était là, enfin il était présent sur ma chaîne peut-être une ou deux fois,
sur une ou deux vidéos à peine. Et bah, pourtant, c'est l'un de mes meilleurs potes, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de tourner des vidéos ensemble. Donc là, je me suis dit, bon, on va faire un petit tu préfères, soit sur Demon Slayer, soit sur My Hero, parce que je sais qu'il adore Demon Slayer et il adore My Hero. Je pense que c'est peut-être, ça fait partie de ces deux mangas, enfin, ces deux mangas-là, ça fait partie de ses mangas préférés. Je connais pas exactement son classement exact des mangas préférés, mais en tout cas, je le connais assez bien pour affirmer que Demon Slayer et My Hero, c'est dans son top, quoi. Donc, je pense que faire un tu préfères là-dessus, ça peut être cool. Donc voilà, ça c'est prévu. Il y a deux vidéos du coup, voilà, que je vous ai dit qui sont prévues, qui vont sortir dans pas très longtemps. Ma petite série solo que je prépare, une autre série en multi aussi. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. Faut juste que je trouve le temps. En tout cas, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'avoir le temps et de sortir ces vidéos. Et pour revenir au let's play, notamment à Mario Galaxy. Là, Mario Galaxy, je crois qu'on est à l'épisode 31 ou 32. Ben, voilà, je connais le jeu, hein, j'ai déjà joué plein de fois il y a longtemps et tout quand c'est sorti. Je peux affirmer que Mario Galaxy, on a bientôt fini le jeu, clairement. Donc voilà, il reste quelques épisodes. Dès que le Let's Play sera terminé, je remplacerai Mario Galaxy par un let's play sur un autre jeu. Voilà, donc l'autre jeu, je sais déjà lequel je vais faire. Donc voilà, j'ai pas fait un let's play sur Pokémon Diamant et Perle, hein, comme vous l'avez remarqué. Déjà parce que, ben, encore une fois, je n'ai pas le temps, et en plus de ça, tout le monde sur YouTube fait un let's play sur le jeu. Donc, bah, ça sert à rien que je fasse un let's play dessus, hein, honnêtement. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ouais, donc Mario Galaxy, on est bientôt sur la fin. Ensuite, on enchaînera avec un autre let's play sur un autre jeu plutôt sympathique. Et puis voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour parler un petit peu de la chaîne et tout. Et aussi pour dire que, ben, ouais, je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. Mais voilà, tout simplement. Ouais, je sais plus quoi dire. Mais bon, en tout cas, j'espère en tout cas que vous aimez toujours les vidéos sur la chaîne. Il y a aussi les vidéos FIFA. Ça, franchement, je faisais une vidéo par semaine quand FIFA était sorti. Pour les récompenses et tout. Là maintenant que je joue plus au jeu, ben je peux plus trop faire de vidéos par semaine. Mais en tout cas, il y aura du FIFA qui va revenir sur la chaîne. Après, clairement, clairement, il n'y aura pas une vidéo par semaine sur FIFA, hein, je pense, à partir de maintenant. Ben, vous l'avez remarqué de toute façon. Voilà, il y a aussi la petite série Parlons Marvel que je fais avec Mathieu. Voilà, d'ailleurs, Mathieu, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Vous allez sur une vidéo Parlons Marvel de ma chaîne et vous allez dans la description et vous allez sur sa chaîne parce que il fait des super vidéos et en plus de ça, il a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur Eternals dans laquelle je suis dedans. Et en fait, bah, on parlait à deux de Eternals, tout simplement. Et ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien faire sur ma chaîne, des petites vidéos comme ça, pour parler de séries, de films, d'animés, etc. En fait, avant ma chaîne, enfin, en tout cas, quand j'avais commencé, c'était vraiment une chaîne gaming où je faisais vraiment des vidéos où je jouais à des jeux, etc. Maintenant, j'ai plus envie que ce soit une chaîne où on parle de pop culture entre guillemets où on parle de manga, d'animé, de films, de séries, de dessins animés, pourquoi pas. Voilà, enfin franchement j'aimerais bien que ce soit plus ça plutôt qu'une chaîne gaming, même si encore une fois
je n'arrêterai pas les let's play pour autant. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, on est plutôt bon. Je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que j'arrête pas YouTube. Il y a plein de vidéos qui sont en préparation. En ce moment, j'ai pas le temps, mais à partir du 20 décembre à peu près, jusqu'à fin janvier, parce qu'il y aura les vacances de Noël plus tout le mois de janvier où je serai un peu plus dispo pour YouTube. Donc voilà. En décembre et en janvier, je serai un peu plus présent. Et il y a plein de vidéos sympas qui arrivent. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai quitté le jeu, hein, très clairement. C'est pas très grave, de toute façon, j'avais plus grand chose à dire par rapport à la vidéo. Et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.